faut du progrès. Et voilà qu'une inspection générale à la police, la tiba est figée à chef de l'État. Augustin Kabouya a fait un communiqué. Reniant que Batana Batagi Batayi DPCT. Tous les communicateurs du pouvoir ont fait la même chose. Mais aujourd'hui, hier, tout le monde a procès. Ils ont chanté l'hymne de l'IDPS. Bah, l'IDPS, qui est l'autorité de référence? N'est-ce pas, Félix Tshisekedi? Lorsque ma force de progrès a assiégé la maison communale Yangale pendant au moins 6 à 7 mois, la maison communale, la présidence, c'est presque voisine, n'est-ce pas? Pourquoi ces gens-là n'ont jamais été empêchés? Lorsque nous avons toujours décrié ici que ma siège Ndakouya Batou d'une manière illégale Nangalema, tous les services de sécurité étaient informés. Mais pourquoi ces gens-là n'ont jamais été inquiétés? Et en quoi est-ce que beaucoup dissocient Bango n'a fait Tshisekedi? Allez-y comprendre. Et non, c'est soutenir par le pouvoir. Alors aujourd'hui, comme ils ont dit, ils ont des l'IDPS, la justice doit inviter Augustin Kabouya. Comment ces malfrats, comment ces badauds, comment cette milice, zone où on a la mission, et sa zone neutre où l'opposition ne peut pas manifester. Mais là, la force du progrès manifeste sans aucune information, moins encore autorisation au préalable. Que dirions-nous? Aujourd'hui, le Congo est transformé à une jungle par l'IDPS et ses collabos. Mais aujourd'hui, le Congo a perdu le sens d'un État. La force du progrès n'est pas différent aux M23. La force du progrès n'est pas différent aux ADF Nalou. La force du progrès n'est pas différent au Mobondo. La force du progrès n'est pas différent au Codeco. On doit ici maintenant dire que dans la ville de Kinshasa, il y a une milice qui s'appelle la force du progrès, soutenue par les pouvoirs en place. Qui tue, qui sème terreur, qui violente les gens et en pleine capitale. C'est inconcevable. Constant Moutamba nous a dit, 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 mais voilà le fait. Donc aujourd'hui, la mer, Deniab, la police, FRDC, ils sont vidés de toutes les attributions. Maintenant, et commis, il y a force du progrès. Dans une république qui se veut sérieuse, on ne parlera pas de telles choses. Qu'est-ce que Bati Lukwebo n'a pas fait comme président du Sénat, qu'il va faire comme le deuxième vice-président du Sénat? Bati fait la politique pour sa famille, pour ses gendres, et non pour la nation. Et Bati Lukwebo était prêt pour tout à cause des postes. Sabayuti, premier ministre, qu'est-ce qu'elle a fait comme premier ministre? Tous les projets de Samuel Kondé, ils ont été un fiasco. Mais là, il y a la Sénat pour ça, la ligne. Cette aventure ne concerne ni l'opposition, moins encore le peuple congolais. Désordre partout. Les Congolais ne peuvent rien attendre de ce Sénat. Rien de bon ne sortira là-bas. C'est une aventure de mauvais qui ne donnera rien aux Congolais. Alors, rien aux Congolais. Fifi Masuka, c'est le gouvernement a nommé moi un ministre il y a infrastructure, transport et voie de communication. Maman gouverneur, moi la ministre. C'est-à-dire ces gens-là, ils ont tué le pays, ils veulent maintenant aussi coquiter ce même comportement à Banana Bango. Regarde-moi ça. Est-ce que les Congolais peuvent soutenir un tel pouvoir? On n'a jamais vu de telles choses sous Joseph Kabila, sous le roi des Guerres Kabila, sous le Marcel Mobutu. Mais pourquoi seulement sous Félix Tshisekedi? Aujourd'hui, la République est devenue la République des fistons. Un pouvoir mal acquis, ça donne ça. Le cessez-le-feu n'a jamais été profitable pour les camps qui est en faiblesse. Cessez-le-feu est intervenu pendant que l'M23 Azo Betabiso, le Blanc, les Rwanda, l'Angola et consorts. Ces gens-là ne sont pas nos alliés. Ces gens-là travaillent pour la balkanisation du Congo. Ces gens-là travaillent pour une seconde recolonisation de notre pays. Mais les pouvoirs de Kinshasa étant distraits. Il y a des localités au Barokoya. Cette rébellion est allée à la vitesse de la croisière. Ici, on va distraire Bango. Heureux de vous avoir très nombreux, Bandeko Balandi, plus carte télévision, Bandeko Balandi, émission tête à tête. Bonjour, bonsoir. Ça dépend surtout de l'heure à laquelle vous me suivez. Merci de la fidélité, merci de la confiance au Bozali Kouré Nouvelle chaque jour à travers l'émission Nabino tête à tête, puis la chaîne de vérité. Voilà pourquoi toujours dans ce cercle informé Bino en temps réel, mais aussi dans la vérité, pour Nabino Lelo, moi Namboka, le père Koubangila, coordonnateur de la dynamique pour le Congo fort. Naye nituko sola mambi matali mboka na biso République démocratique du Congo, actualité, mais aussi grands événements à venir et tout ce qui se passe au pays. Et voilà, déjà sur ce plateau, mon mboka le père Koubangila. Bonjour. Bonjour Mopanzi Sango Jonas. Bonjour na ba congolais. Banso ba oyo bazuli bakuma lama ya Hollande biso na ngonga oyo. Bonsoir, peut-être na
bamboka mosusu lokola na ba Singapour, la Corée et puis na pesi mbote na mama Mado depuis Londres. Moko vraiment il y a abonné fidèle, il y a plus que la télévision mama Mado et puis papa Gaspard et papa Gaspard aussi Hakim Nzama depuis États-Unis et Aldo Kubangila mon petit frère depuis États-Unis et surtout notre ami et frère Mike Ndenge depuis Canada na pesi bango mboto ebele parce que ce sont les gens oyo ba encourage akabiso ba accompagner akabiso na ba conseil na bango donc en retour nous devons aussi être reconnaissants. Il est vrai que je trouve ça la lit na kati ya mboka mais kasi bango ba ko sala lit pe na lolenge na bango libanda ya mboka alors baza toujours ba o ba participer na lit nde na pesi bango maton de mingi sans oublier Godé Lumembo na Belgique et aussi comme je l'ai toujours dit lorsqu'on fait du bien nous devons à un certain moment reconnaître. Je l'ai toujours dit, je suis les fans de la bonne gouvernance et surtout de ceux qui font bien leur travail. À la personne de le DG Victor Ntumba Tshikeya, parce que les lots, ce qui m'ont moi là assez distingué dans le rôle naïe et bon Dieu gobe tellement bon pour ses encouragements pour essouffler aïe ben pour continuer à mériter à maintenir Capouana. Alors le DG de l'office des voiries et drainage de ce qu'il est en train de réaliser surtout dans le secteur il y a un tirage des caniveaux, je l'encourage et il a tout mon soutien. Le DG Victor, je vais continuer à soutenir vos actions et là si le gouvernement pouvait mettre les moyens à sa disposition, les moyens à sa politique, je pense que le DG Victor Ntumba fera encore mieux. Un coup de chapeau à vous, très cher DG, et surtout de votre bienveillance et amour que vous ne cessez à manifester à notre endroit. Bon, on a payé Bana Matete, Bana Yadisef, Nakobo Sanabangote, na Tondi Bango Botondi, na Pesi Bango Mbote, de Paye Bazone Bango, et puis Ndeko Jonance. Na koti kate koloba likambo ya Mike Mokebayi. Vas-y. Mike Mokebayi, lelo, en réalité, la cour d'appel devait se déclarer incompétente. Parce que Mike Mokebayi était arrêté comme député provincial. Dès lors que Mike Mokebayi n'est plus député provincial, la cour a sous compétente était à Kokanga Mike. Parce que. Oui, c'est le mot escadé là. En droit, les droits est assis sur les doctrines, les jurisprudences et les exceptions. Alors, il y a une jurisprudence où il y a seulement Escadela. La cour militaire a cédé saisir à l'objet. Elle n'est plus compétente pour juger seulement Escadela. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Mike Mokebayi continue de croupir en prison? Il y a encore un cas. On nous a toujours dit ici, nous sommes dans un état de droit, selon les DPS, selon les pouvoirs de ce qui est dit. Mais il y a un député à la personne de Moderon Timba. Deux fois député, une fois ministre. Mais ces députés, après audio Otoyokaki sur la mort de Cherubé Okende, Balobaki c'était sa voix. Il est vrai, informatiquement, ça n'était pas authentifié. Mais la Cour de cassation a cela qui ordonnance, il a assigné la résidence surveillée. Mais aujourd'hui, Moderon Timba a la prison centrale à Makala. A expliqué ministre Kanaye. Mais ministre, jusqu'aujourd'hui, Constant Moutamba ne dit rien et ne fait rien. Est-ce que il y a pas... pas à son niveau, peut-être que Non. Écoutez, il y a la séparation du pouvoir. Non, il y a la séparation du pouvoir. C'est pourquoi moi j'ai dit, c'est que tant que M. Tshisekedi n'a pas et non, la justice était malade, c'était lui le virus. Donc il y a des Moutamba qui ont rendu la justice malade. Parce que ceux qui étaient pour rendre la justice malade, et que Constant Moutamba et travaille en toute indépendance comme le patron de l'appareil judiciaire, comment il peut recevoir le doléance, non seulement doléance, mais c'est ça la véracité, c'est ça le verdict des choses. Monsieur Moderon Timba est en prison d'une manière injuste, comment peut-il continuer à croupir? Or il devait être en résidence surveillée. Ici, ce qui constate Moutamba a sali et le côté de Kamu Kebayi. Ce qui constate Moutamba a sali et le côté de Kamu de Rontimba, je dirais, c'est Tshisekedi qui gère l'appareil judiciaire, c'est l'homme de Tshisekedi qui plane à l'appareil judiciaire de notre pays. Donc la justice n'est pas indépendante et la justice, si elle est morte, c'est Tshisekedi qui l'a tué. Voilà, matondo mingi mwana mboka le parc Bangila pona makansi na yo na mai matali justice mboka na biso toujours na mai matali justice.
procès, il y a bah membre, il y a force de progrès où ils allaient se tenir Mikoloyo, analyse Nayo d'abord en tant que Congolais et puis en tant que politique. C'est IDPS, les luttes, il y a un parti encore bah, militant, bah, instauré une milice, bah, il y a menacé d'ailleurs l'autorité judiciaire et puis il y a envahir bah, parfois l'installation bah, à la police, bah, il y a eu attaqué par bah, résidence et l'ancien bah, président. Que pouvons-nous attendre de ce procès? Merci beaucoup, cher Jonas. Mais ça qui est awa, que le problème du Congo s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là, ce n'est pas Félix. Hein, là, je t'ai dit, les problèmes du Congo. Est-ce que moi, qui m'a dit, il y a une inspection générale à la police de l'État qui est figé à chef de l'État. Ça dit que pour eux, l'aide du chef, non, c'est qui le chef? C'est Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi étant les Jonas dans les bateaux du Congo. Ce qui a limité tout ce que nous pouvons faire, ils en ont nul et ni le faire. D'abord, ici, tout mon soutien au général Blaise Kilimbalimba. Parce qu'on peut tout faire, mais menacer un général de la police, je pense que c'est cracher, c'est outrager le corps. Parce que le général n'a rien fait. Il était dans l'exercice de son travail. Mais comment un ancien Kadogo, membre de l'IDP soit-il, peut menacer le général? Et dans mon gros combattant qui menace le général. Mais quand tu t'as c'est l'équipe, le général a l'ongueté. Le général a porté plainte. Général... Bon, moi personnellement, je trouve que comme il est à l'exil, ça ne tient à rien de reporter plainte contre une telle personne. Parce que je ne vois pas un général là qui négocie avec Joël Kitenge. Tu comprends? Il faudrait le laisser. Et puis, pardon. Oui, mais non, mais en fait, à reconnaître Sengi pardon. Alors, il faut tikailler caca. Hein? Après, ça est gaz, c'est que non, en général, ça m'a joué le kitingi. Mais ici, premier effort du progrès. Augusté Kabouya a fait un communiqué. Reniant que Batana Batagi Batagi DPCT. Tous les communicateurs du pouvoir ont fait la même chose. Mais aujourd'hui, hier, tout le monde a procès. Ils ont chanté l'hymne de l'IDPS. Batouni Bango Bosala Kawapi, autre salaire de l'IDPS. Ah, est-ce que l'IDPS est devenu une entreprise? L'IDPS un parti politique? Est-ce que là-bas on donne du travail à l'IDPS? Donc aujourd'hui, c'est pour la première fois. Or, ça c'est la haute trahison. La constitution dit l'on ne peut pas organiser une autre armée ou soit une milice en dehors de l'armée régulière. Mais une milice qui est créée par un parti présidentiel. Félix Tshisekedi devait être accusé de la haute trahison et destitué. Malheureusement. Il ne gère plus l'IDPS depuis la commande. Non. Écoutez, Jonas, Oyebi, en fait, heureusement, aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus. Est-ce que Oyebi, Augustin Kabouya, dans ce pays, nous avait dit Toko Kabola Mindouki, Naba Kombata, Basalaline, va protéger le pouvoir. Est-ce que Oyebi, qu'il y avait un groupe milice dans Kingaboua? N'est-ce pas déjà dans les chefs de l'IDPS? Il y a une milice pour semer terreur. Et c'est là que Katina Bango. Qui est l'autorité de référence? N'est-ce pas Félix Tshisekedi? Lorsque la force de progrès a assiégé une maison communale en Galéma pendant au moins 6 à 7 mois, Galéma, maison communale, la présidence est presque voisine, n'est-ce pas? Pourquoi ces gens-là n'ont jamais été empêchés? Lorsque nous avons toujours décrié ici que la siège est d'une manière illégale dans Galéma, tous les services de sécurité étaient informés. Mais pourquoi ces gens-là n'ont jamais été inquiétés? Et en quoi est-ce que beaucoup dissocient Bango n'a fait ce qu'il dit? Et comment un mouvement informel qui n'a ni document officiel peut avoir un grand siège et des drapeaux, mais ils ne sont pas inquiétés? Allez-y comprendre. Que non, c'est soutenu par le pouvoir. Comme c'est soutenu par le pouvoir, il faudrait maintenant mettre en accusation le chef du pouvoir qui est fait ce qu'il dit Antoine Tshilombo. Pour avoir craché une milice en pleine ville. La même milice qui est allée menacer Franck Diongo. Oui. Tendant par la République. Est-ce qu'il avait dit... Ils ont même brûlé l'église et abattu à protestants. Voilà. La même force du progrès qui nous lynche partout. La même force du progrès qui a lynché votre consœur, notre soeur Tatiana Osango. La même force du progrès. Combien de terres... Ah, on a parlé des peuples. Qui avait ce sujet? Ce n'était pas la force du progrès?
Est-ce qu'on a qui condamnation à part il y a pouvoir? Ces mouvements milices est soutenu par le pouvoir finissant, le pouvoir mal acquis des l'IDPS. Alors aujourd'hui, comme ils ont dit, ils ont de l'IDPS, en réalité, la justice doit inviter Augustin Kabuya. Mais déjà, apparemment, c'est ce que je dis que tu as le baguette. Il ne faut pas toucher au cadre et à ton Nicolas. Hein. Non, mais écoutez, papa, est-ce que les Congos se répondent de l'IDPS? Moi, le père Koubangila, Joël Kitenge et Joël Kome, Jonas, Félix Tshisekedi, nous avons tous les mêmes droits. Et la Constitution dit, nul n'est au-dessus de la loi. Quoi qu'il soit, il n'est pas au-dessus de la loi. Mais comment ces malfrats, comment ces badauds, comment cette milice, la Constitution dans son article 26 dit ceci, toute manifestation sur les voies publiques doit être au préalable informée à l'autorité urbaine et celle-ci en prend acte. Est-ce que la force du progrès avait-elle informé l'autorité urbaine? La réponse est non. Donc c'était un mouvement instructionnel. Et le mouvement instructionnel doit être condamné à mort. Et comment il parvenir pour... Ah, c'est le petit qui a envahi l'installation. Mais c'est ça! Mais c'est ce que je t'ai dit. C'est ce qu'on appelle c'est l'outrage à la police. Et l'outrage à la police est condamnable à la loi. Tu comprends? Tous ces gens-là, et ça se passe où? En pleine ville. Zone où on a mis ça, et sa zone neutre où l'opposition ne peut pas manifester. Mais là, la force du progrès manifeste sans aucune information, moins encore autorisation au préalable. Que dirions-nous? Aujourd'hui, le Congo est transformé en une jungle par le DPS et ses collabos. Mais aujourd'hui, le Congo a perdu le sens d'un État. Aujourd'hui, le Congo a perdu la valeur. Aujourd'hui, le Congo a perdu des repères. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, on doit bien savoir. Est-ce que Félix Tshisekedi était sous le pied de Étienne Tshisekedi Mulumba qui est mon père politique? Tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les DPS, il n'y a rien de la démocratie. Est-ce que c'est qu'ils chantent même? Litons pour la démocratie et le progrès social, c'est l'émanation du peuple. Est-ce que réellement c'est cela qu'on comprend que non, dans un état de droit, tout ce qu'ils font, ils méritent la prison? Soit le slogan, l'hymne de l'IDPS est devenu un slogan creux, comme le peuple d'abord aujourd'hui est devenu un slogan creux. Non, chers frères, c'est pourquoi les Congolais doivent se ranger pour se débarrasser de ses pouvoirs. La force du progrès n'est pas différente aux M23. La force du progrès n'est pas différente aux ADF Nalou. La force du progrès n'est pas différente aux Mobondo. La force du progrès n'est pas différente aux Codeco. Tous les groupes milices dans notre pays, on doit ici maintenant dire que dans la ville de Kinshasa, il y a une milice qui s'appelle les Forces du Progrès, soutenue par les pouvoirs en place. Mais est-ce que c'est qui tue, oui, qui sème terreur, oui, qui violente les gens en plein jour et en pleine capitale. C'est inconcevable. Est-ce que le procès va aboutir à quelque chose de concret ou à la fermeture de la ligne Forces du Progrès? Non, mais écoutez. Constant Mutamba nous a dit, oui, papa, tata mon condamné quoi le bas qui juste assez à Koufa, mais hier ailleurs on tient pas assez sa justice. Mais voilà le fait. Nous le bas Ali Kamai qui Mokebai, les Kamoderon Timba, et maintenant aussi il faut voir comment est-ce que ce bado, cette milice, est-ce qu'il y a dit qu'il y a des militants de l'ESID qui sont juste aujourd'hui en prison, injustement. Tu sais que Corneille a été condamné par coutumance. Mais pourquoi pas ces gens-là aussi doivent être condamnés par accoutumance? Non, l'hymne de l'IDPS n'est pas une hymne nationale. Est-ce qu'on a dit que ces gens-là ont chanté l'hymne de l'IDPS dans l'Assemblée nationale pendant que le président était là? C'est un message fort, va quoi, c'est le président. Nous a dit, ah, putain. Voilà. Donc pour dire que, yom de tine d'arabiso, si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit, c'est clair, non? Et ils sont des l'IDPS. Donc, et la vidéo qui circule, y a-t-il pour l'instant qui n'a ni chef de Bangouala? Ou à l'obino, comment, en fait, un mouvement subvertif peut aller dégorpir la famille de l'ancien président de la République?
le déguerpissement, vous devez avoir l'arrêt, l'arrêté, en fait, le jugement du tribunal. Pourquoi qu'il ne peut déguerpir? Maintenant, la force du progrès. Si vous avez dit qu'il ne peut déguerpir Maman Olive et sa famille, la GLM, c'est avec quel document? Oui, c'est bien sûr. Donc, l'hierarchie. Non, mais non, écoutez, Neko. On l'a dit, il y a un garçon, non, je ne vais pas citer son nom, c'est le village là. Avant, non, ben, ils avaient pris une écoute. Non, cher frère, non, Jonas. N'est-ce pas, on l'a dit, vidéo où ce Bado dit que non, Bako Kendeko de loger, Fabien Kabila. Oui, il a vu. Alors, mais pourquoi tu veux maintenant séparer ses propos à l'acte? C'était prémédité, c'était préparé. Et le bureau auquel le monsieur a fait, ce n'est pas son bureau. Donc, ça serait un bureau d'un cadre de ce pays où il est allé faire ses déclarations. Donc, le pouvoir de Tshisekedi et Augustin Kabouya étaient informés qu'il y avait un plan qui devait être exécuté par leur milice, qui est la force du progrès. Papa, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, aujourd'hui, la mère d'Eniap, la police, FRDC, ils sont vidés de toutes les attributions. Maintenant, les attributions de déloger, d'arrêter et commis, il y a force du progrès. Est-ce que j'ai dit qu'il n'y a pas même le cachot? Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle la séquestration. Un civil, lorsque tu arrêtes quelqu'un, un autre civil, ça devient une séquestration. La séquestration est condamnable à la loi congolaise. En réalité, ces gens-là, comme ils sont jugés en flagrant, ils doivent aussi être condamnés en flagrant, jetés en prison. Pourquoi pas qu'ils ne gagnent pas, c'est pas qu'ils aient boulot et qu'on sort. Non, chers frères, dans une république qui se veut sérieuse, on ne parlera pas de telles choses. Il doit être anéanti. Parce que, tu sais, hein, dans ces pays, nous avons connu les JMPR, béret rouge. Mais on n'a jamais vu le béret rouge dans l'exercice du travail. Il y a des gens qui ont menacé, les familles qui ont boué, qui ont bêté à tout le monde. On n'a jamais vu ça. Il est vrai, Kabila a fait ce qu'il a fait hier. Mais on n'a jamais vu des spectacles désolants comme celui que la force du progrès et Augustin Kabouya est en train de nous montrer. Alors ici, oui, il faudrait que ces gens-là subissent la rigueur de la loi. Au Yébiké, il y a eu plusieurs bavures. Il y a pas commise par ces gens-là. Justement. Et il est temps maintenant général pour que les droits soient dits, oui, et la loi soit faite. Rien que ça. Et de deux, que cette parcelle soit remise dans la colonne Yango, parce que c'est une parcelle d'autrui, occupée inégalement. Non! Non! J'attends le nouveau communiqué de l'IDEPES pour nous dire que ces gens-là ne sont pas les leurs. Par moi, Souki, tu continues toujours dans la situation sécuritaire, mais dans la partie est, on a cessé de faire les alliés annoncés, il fallait qu'il compte en vigueur les 4, mais malgré l'annonce, on a parti pris dans la situation, on a M. Sou, comme M23, a respecté en côté, a continué que quoi, localité, toute entité, et puis indemnisation, il y a Oya Kisgar qui s'en gagne, déterminant d'abord la situation sécuritaire avancée à M23. Cher Jonas, d'abord ici, je condamne le plan, les cabales montée contre nos aînés de l'espace Grand Bandundu. À l'occurrence, l'honorable Laura Batumona et puis Jonathan Bialosoka. Pour quelle raison? Insécurité, il y a Mobondo et Bandi à peine. Laura Batumona a commencé la politique aux côtés d'Étienne Tshisekedi depuis la nuit des temps. Laura Batumona a sa ferme qui date depuis 1985-84, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, pour quelles raisons Laura Batumona et Jonathan Bialosoka bako koma des mèches na Mobondo? Tout ça c'est quoi? Parce que Ndeko Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo azwa ki ba voix et longo bani te na Grand Bandundu qui est ma province, qui est la province de Martin Fayulu, de Laura Batumona, de Louis-France Kouzikesa.
C'est pourquoi Lelo, Balingi va créer cabale. Que non, Jonathan Danusuka, Laura Batumona, Bazali qui entretenir Mobondo. Mes chers frères, puisque Bazali est bien dégagé Mobondo et Bandi Namaï, non, mais non. Pourquoi le pouvoir de papa ne peut pas anéantir cette force négative, mais il faut que l'actif soit comme il y a Batou pour salir Batouana. Lorsque Laura Batouana était dans l'opposition, il n'a pas fait la rébellion, il n'a pas utilisé la milice, mais il est avec vous au pouvoir, il a contrôlé pour que vous soyez au pouvoir. Aujourd'hui, les seuls moyens pour lui dépêcher de payer à Laura Batouana, ils ont considéré ma camgueno à des mèches dans mon bondo. Moi, le père Koubangila, en tant que le jeune leader du Congo, les candidats président de la République en 2028 et les leaders du Grand Bandundu, je m'inscris en faux contre cette mauvaise campagne à l'endroit de mes aînés de ma province, du Grand Bandundu et surtout ceux qui ont contribué pour que Tshisekedi soit aujourd'hui au pouvoir. Jonathan Danusuka, un jeune leader, Oyazu, des sièges, Kinshasa et Kenge, je ne les vois pas comment il peut être de mèche avec le Mobondo. Donc, halte à l'intox. Situation sécuritaire, cher Jonas. Vous savez, c'est le fait. Cher frère, le cessez-le-feu n'a jamais été profitable pour les camps qui est en faiblesse. Cessez-le-feu est intervenu pendant que l'M23 a bêta bisso. Pendant que l'M23 a avancé. Lorsque vous venez en négociation, soit sur la table de la négociation, dans l'état de faiblesse, il y a bien que vous avez au moins 80%, il y a chance pour vous perdre. Maintenant, tant que vous pensez cesser les faits, en réalité, les FARDC devaient se préparer et se renforcer en munitions et garder la portion de tuyaux. Le blanc. Les Rwanda, l'Angola et consorts, ces gens-là ne sont pas nos alliés, Jonas. Ces gens-là travaillent pour la balkanisation du Congo. Ces gens-là travaillent pour une seconde recolonisation de notre pays. Mais le pouvoir de Kinshasa étant distrait. Yango Monique Lilo, il y a des localités au Barokoya. Mais au Yabi Kelaitour et Lilo Soussou, et rébellion, ils ont eu avec force. Pendant que ce sont des provinces sous l'état de siège. Kinshasa et Bongi étiquent à distraction. Kinshasa et Bongi étiquent à somnolence. Ndeko, cette rébellion, ils ont eu la vitesse à croisière. Ici, ils vont distraire Bango. Les gens vont être surpris. Peut-être que Goma est parti, Ituri est parti, Kisangani est parti. Mais c'est une distraction. Moi, j'ai demandé à fait ce qu'il dit. S'il faut dialoguer, il ne peut jamais dialoguer avec les Rwanda, l'Ouganda, les Burundi. Le problème du Congo, c'est pour les Congolais. Il va dialoguer avec qui? Il va continuer de dire que ça n'a pas de problème. Non, chers frères, Joseph Kabila est arrivé dans ce pays, la 2000, il a trouvé le Congo presque parti. Une rébellion soutenue par Museveni, une autre par Kagame, l'autre par le président ougandais, Burundi et consorts. Est-ce que Joseph Kabila, dans Sun City, il y avait la présence du Rwanda, il y avait la présence d'Ouganda et de Burundi? Kabila a négocié, a dialogué avec Bemba, Rouberoua, Zaïdi Ngoma, comment il s'appelle encore, Roger Lumbala et consorts. Oui, mais tu vois quoi, M23, c'est une assimade. Non, Jonas. Nous avons un pasteur. 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 Alors, pendant que nous avons un pasteur, il faudrait entrer bino en famille. Nous avons un pasteur. Ce qui est l'élo, Martin Fayoulou, le père Koubangila, et Moïse Katoumbi, Joseph Kabila connaît Nanga parce que Nanga et Tshisekedi sont en fait à un certain moment ils ont enchaîné ensemble. Moutou ya pèsa biso s'il vous plaît. Moutou ya pouvoir ya peuple 2018 attend Tshisekedi c'est qui? C'est Nanga. Négocier avec Nanga n'est pas un problème. Aujourd'hui, il représente les intérêts rwandais. Non, cher frère, lorsque Nanga a nommé Tshisekedi au détriment de la volonté de la population à travers l'intérêt
Les temps ont changé. Hein? Non, 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 non. Jonas, on ne change pas l'histoire. Si Tshisekedi veut sauver le Congo, il n'a qu'à prendre son téléphone. Il appelle Martin Fayoulou. Il appelle Joseph Kabila. Il appelle Corneille Nanga. Il appelle le père. Il appelle Martin. Et comment Moïse Katumbi, venez, négocions, dialoguons pour notre pays. Parce qu'on attend les lots. On négocie dans Nanga T. Attends, non, Nanga et pas Yazali. Aïe, Alandra Mandoki. Azu pouvoir. Ce qui a un ennemi, il y a un et que à satisfaire ma besoin de Mangote, la même situation va demeurer, n'est-ce pas? Le roi de Zé Kabila est parce que l'histoire doit nous enseigner. Kabila est arrivé au pouvoir avec l'appui. Il y a un Rwandais, il y a un Ougandais. Tant qu'il a le pouvoir, est-ce que les mêmes personnes, Batsaki Kimia? Batsaki Kimia, ils ont réclamé la balkanisation. Pareil que Nanga, si Nanga aujourd'hui est soutenu par l'Ouganda, Burundi et consorts, Ata a réussi qu'au Tshisekedi, je pense que je sais que c'est une situation qui sera difficile. Oui. Mais le même personne Wana, par exemple, qui l'a payé. Parce que dès lors que Bango réclamé par intérêt de Bango, tant que Moussou lui en tant que nationaliste, non, n'a qu'au cas tambour qu'on a été. Et c'est pas aussi que Kimia. Et c'est le quoi l'élo, au lait Kindo qui abattu. Ba sengyo mama na yo oboyo pesa mama ba otika okimia ba otika okimia te. Donc je demande en fait ce qu'il dit de ne pas suivre ses collaborateurs parce que il est face à son histoire et à l'avenir du pays qu'il convoque un dialogue national. Oh Nanga kosa pas. Mais pourquoi pas? Mais non, non, n'est-ce pas Nanga est congolais? N'est-ce pas Bertin Bisimwa est congolais? N'est-ce pas Willy Ngoma est congolais? Non, mais leur revendication, si les loups congolais, toi, lui, as donc, pour dialoguer, non, non, ils ont dit que ça, pas congolais, monsieur Souké, il dit que si Bango a cuit, Mando qui contre Mboka na Bango, finalement, il faut. Cher frère, cher frère, le Congo est un patrimoine commun. Ok? Est-ce que dans une maison, il y a, si les enfants ne sont pas satisfaits, y a-t-il pas de rébellion, soit des énervements? N'est-ce pas et au pan de la famille? Soit nous aimons le Congo, soit nous aimons ce que le Congo a. Si nous aimons le Congo, mais mettez le Congo au centre de tout. Nanga là où il est, ses revendications, c'est pour les Congolais, non? Tshisekedi là où il est, sa gestion, c'est pour les Congolais, non? Mais si tous, les pères Koubangi là, je milite pour les Congolais, n'est-ce pas? Martin Fayoulou, c'est pour les Congolais, n'est-ce pas? Mais si c'est le Congolais qui est au centre, mais parlons ensemble pour sauver le Congo. Parlons ensemble. Appelons. Kabila l'a fait. Dis-moi, lorsque Kabila l'a fait, c'était qu'est-ce qu'il avait perdu? Kabila a accepté de partager les pouvoirs avec les Belgiens. Ok, nous aimons le Congo. Tu dis quoi? Tu fais la rébellion pour sauver le Congo. Moi, je suis au pouvoir pour aider les Congolais. Comme nous avons tous les intérêts communs, venez, parlons et allons aux élections. C'est lui qui aura la confiance des peuples congolais. Va voter, comme ça, à gérer en toute quiétude. Et à ce moment-là, l'on mettra des gardes-fous. Former une armée dissuasive, une armée capable, pour que quiconque oserait faire la rébellion, que cette armée le maîtrise. C'est simple que ça. Ce qui est l'eau, ton salut et dialogue, ton qui est ma ponami, tu me dis, ok, parce que la constitution congolaise interdit. Moutignon, c'est en contre le pouvoir d'André Mandoki. Ce qui n'a rien d'abandonné, ça sera en violation de la condition, n'est-ce pas? Alors, pour que ça n'arrive pas, mettez sur un abandon, non, papa. Donc. Moi, je protège l'intégrité territoriale. Je suis pour que les Congo restent un et indivisible. Je suis pour que les Congo ne soient pas trahis. Alors, parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est gagné à s'entêter, à lever dans son anangaté, rébellion par mystique, il y a fourmi et qu'on a déjà ça. Est-ce qu'il sera au pouvoir? Si aussi Nanga a conquis qu'on récit pour Nayete et que l'autre armée régulière est maîtrisée et bombée, est-ce qu'il a gagné? Non. Jusque-là, oui. Pour l'amour du Congo, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Alors, privilégions la mère patrie. Si nous aimons le Congo, parlons pour protéger ces bijoux que Lumumba nous a légués. Etienne Tshisekedi, Moulele, Cléophas Kamitatou, et qu'on
Nyonso, Thomas Kanza et contre tous ces gens qui ont milité. Lumumba a dit il y a un plan de balkanisation, ça date. Mais ce plan ne va pas réussir. Mobutu, comment il s'appelle encore? Mobutu a dit s'il faut signer le pacte avec les diables pour que le Congo et la paix règne au Congo, je le ferai. Laurent Désiré Kabila a dit ne jamais trahir le Congo. Étienne Tshisekedi a dit prenez-vous en charge. Le père Koubangi l'a dit aimons le Congo. S'il faut prendre toutes les phrases de nos aïeux Oyi à dire pour le Congo, nous devons mettre le Congo au centre de tout. Alors pour ce faire, M. Tshisekedi convoque un dialogue inclusif, au cours de laquelle nous avons discuté Congo et son avenir. Aujourd'hui, tous les pays progressent, mais le Congo régresse. Qu'est-ce que nous gagnons? Dis-moi, qu'est-ce que le peuple Kabila va gagner lorsque les gens tombent à Beni, à Rutshuru, à Masisi, à Isiro et consorts? Qu'est-ce que Martin Fall aura comme intérêt de voir que ses frères, ceux qui l'ont voté en 2018, continuent à mourir? Qu'est-ce que Tshisekedi va gagner lorsqu'il verra que le gens là-bas mourir chaque jour? Qu'est-ce que Kone Nanga va gagner? Il est de Bazouélé, ceux qui sont Otouélé. Ceux qui tombent à Ituri, ne sont-ils pas ses frères? Alors, c'est la faute à qui dans tout ça? La faute à Félix Tshisekedi. Pour avoir fait mais quoi? Il n'est pas tard pour mieux faire. Pour avoir accepté l'inacceptable en 2018. Si Tshisekedi n'avait pas accepté de se faire nommer, non, il ne sera pas en rébellion. Pourquoi? Lorsqu'on nommait Tshisekedi, il y a eu des promesses faites sur Nanga. Nanga avait des carrés miniers parce que ce sont les informations de notre possession. Ce qui n'a qu'un rébellé parce que bah carré minier parce qu'il n'est pas beau là qui donc Tshisekedi a accepté de prendre le pouvoir du peuple par la voie que nous connaissons tous. Et maintenant, ceux qui l'ont amené au pouvoir revendiquent ce qu'ils avaient promis parce que le Lukutamisine, ils ont qui c'est ce qu'il dit, mais Lukutamisine a fait Tshisekedi. Alors, moi, je dis non, à la moutre Lukutamisine. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut te faire un mandat pour te réclamer au Alara Kibiso. Alors, il n'est pas tard pour mieux faire. Et aussi, il y a eu encore. Tshisekedi a commis plusieurs erreurs. Au signé accord nocturne, pose un pouvoir, parce qu'il a voulu prendre le pouvoir pour le pouvoir, et aller pour inviter. D'accord, jusque-là, moi, cher frère, non. Augustin Gabouya est de l'IDPS, non? Tant que le bac est Kabila Tali. Atali, a eu pouvoir. Après cela, ça ne veut pas dire forcément. Non. Jonas, Kabila était un autre cas de l'IDPS. Alors, Kabila Atali, a eu pouvoir après cela. Est-ce que c'est Kabila qui donne le pouvoir? Mais c'est le peuple qui donne le pouvoir. Parce que dans une démocratie, dans un pays démocratique, le pouvoir et l'émanation de qui? De la population. Dès lors que le pouvoir devient l'émanation d'un individu. C'est-à-dire, tu n'as pas mérité la confiance du peuple, mais plutôt d'un individu. Alors aujourd'hui, comme tu as décidé cet individu a tourné contre toi, il a touché aux armes. De la même façon que vous aviez travaillé notamment pour avoir le pouvoir, mais parlez aussi pour donner la paix aux Congolais. C'est clair que ça. Tu appelles Nanga. Tu appelles Fayoulou, oui, grand frère, je t'ai offensé, je t'ai fait le mal, j'ai fait le mal aux Congolais. Kabila, tu m'as donné le pouvoir, je t'ai trahi. Mais aimons le Congo, privilégions la paix. Parlons. Oui. Parce que si réellement tous nous revendiquons la paix, si réellement tous nous revendiquons le bien-être du Congolais, mais mettez le Congo au centre, parlons. Et mon goût dans sa ligne à côté à Rotika na Sony, tu sais, hein, balobaga entre amis et frères, le choix est clair, comme l'a dit Mobutu. Kagame peut être ami à Nanga, peut être ami à Bissimwa, peut être ami à Wilingoma, mais Tshisekedi, le père Koubangila, Martin Fayoulou, Moïse Katou, Joseph Kabila, son frère, entre frères parlant pour ami à Yoka Sony. Et moi, le Congo, mon avocat, le père Bangila pour finir, élection définitive. Il y a bureau, il y a Sénat, et que vous allez bon tenir samedi prochain. Regarde, Nao, d'abord, c'est votre profil où ils allaient en lice, et puis que pouvons-nous attendre pour avoir parmi les dernières institutions où les lois allaient en bureau définitif.
Cher Jonas, d'abord ici, nazo fistigé absence totale. Il y a province à Kwilu, la chambre haute ya Sénat. Nazo fistigé présent absence totale ya Yakoma. Non, mais il n'y a pas un certain nombre de postes. Non, non. Bureau définitif. Absence, non, non. Non, non. Est-ce qu'il y a bien l'élection à Yakoma? Oui. Ils ont annulé, non? Il y a comme ça, il y a Tchopa, je pense. Tchopa, je ne sais pas. Ils ont annulé l'élection sénatoriale pour installer Maté. N'a plus le paix et salé Maté. Mais tu as comment pouvait composer une institution sans la représentativité de deux grandes provinces? De deux. Il y a ces problèmes de jeu parce que la constitution parle de la représentativité nationale. Il faudrait que tous les espaces linguistiques s'y retrouvent. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dans la composition, il y a un candidat à bureau Sénat. Le président Saba Lukonde, espace sur l'éléphant. Bati Lukwebo, espace sur l'éléphant. Carole Aguito, espace sur l'éléphant. Salomon Kalonda Edi Aeskadila, espace sur l'éléphant. Idriss Mangala, espace sur l'éléphant. 5 personnes. Justin Kalonda Mwanangongo, espace sur l'éléphant. 6 personnes du même espace linguistique. Et c'est ça la géopolitique? Est-ce que c'est ça la représentativité nationale? La réponse est non. Voilà là où Tshisekedi et sa fameuse union sacrée amènent le pays. De deux, qu'est-ce que Bati Lukwebo n'a pas fait comme président du Sénat? Oui. Qu'il va faire comme le deuxième vice-président du Sénat. C'est l'expérience, il en a. Aujourd'hui, non. Cher Jonas, est-ce que tu peux me dire un seul indice? Qui donne la sagesse? C'est Dieu. Qui donne l'intelligence? Sagesse ou il y a Bati, à Zango, à l'expérience. Dis-moi, expérience à moi, à Bati, à côté à moi, la deuxième vice-président à Sénat et non la présidence à Sénat, tu as la président. Tu as été à l'Assemblée provinciale, tu as un pays, qu'avait fait le Sénat. Bati fait la politique pour sa famille, pour ses gendres et non pour la nation. Et Bati Lukwebo est prêt pour tout. À cause des postes. Ok? Alors, moi je vois l'ossature du Sénat. Ouais. Je me dis, papa Étienne Tshisekedi devait revenir en vie. Pour quelle raison? Pour quoi faire? Mais regarde là où Tshisekedi, son fils, a amené le pays. Ça m'a dit, c'est lui qui l'avait promis, qu'au commissariat président Sénat. Oui, en tout cas, il y a une débat de la Kolinga. Non, parce que Aouti, premier ministre, qu'est-ce qu'elle a fait comme premier ministre? Tous les projets de Saba Lukonde et Zaki Bafiasco. Mais là, il y a le Sénat pour ça la ligne. Je pense que non, c'est de l'aventurisme et pur et simple. Cette aventure ne concerne ni l'opposition, moins encore le peuple congolais. Et aussi la carte, Monika Nenge Tshisekedi dans Kamamboka, Nenge IDPS au Kambama. Désordre partout. Donc, Zaka Sétenir Tosa Obika. Alors, ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Les Congolais ne peuvent rien attendre de ce Sénat. Parce que rien de bon ne sortira là-bas. C'est une aventure de mauvais goût qui ne donnera rien aux Congolais. Rien aux Congolais. En réalité, la présidence devait revenir soit à l'espace Grand Bandundu, soit à l'espace Grand Équateur. Pour la géopolitique. La géopolitique, Makambo Ndebo Mamboka, parfois. Non, mais c'est la Constitution! C'est le politicien qui a parlé de la représentativité nationale, c'est pas moi. Et moi comment? Parce que est-ce qu'il y a des absences? C'est ok, je veux. Absence, il y a un espace linguistique moussoussou. Oui. Il y a un monde qui a engendré ma frustration. Il y a un monde qui a engendré ma rébellion. Mais pour éviter cela, il ne faut pas frustrer les gens. Imagine les lots. Fifi Masuka, c'est le gouvernement a nommé moi un ministre. Infrastructure, transport et voie de communication. Maman, gouverneur, moi, la ministre. Papa, tu commis dans mon côté, battre le Kobo, à l'île de la Sénat, moi, la ministre provinciale. Donc, tu commis dans la République, il y a ma fils, tout bien dégainé. Hein? C'est-à-dire, ces gens-là, qui ont tué le pays, ils veulent maintenant aussi qu'on quitte ce même comportement là-bas dans la Bango. Mais moi, il y a Jonas, le bien que la wapi. Regarde-moi ça.
Donc tout pote baling moni e uta ba église. Mbi yakufi mwana yaye. Neema papa naye a remplacer. Carlos Bauti côté de comme la politique. Donc mutunyo so do fait naye mwana yaye. On sera aussi surpris, il y a un moment, il y a 2028, Dofa Félix Tshisekedi, Anthony Tshisekedi. République est ma fiston. Maintenant, il y a des sangaï. Le père Koubangi, là, au papa, là, il y a un politicien. Au maman, là, il y a une enseignante. Jonas, il y a dit, oh, papa, là, il y a un politicien. Donc, au bout du Kambara, il y a un autre. C'est ça, non? Est-ce que c'est le pouvoir? Est-ce que ce pouvoir mérite réellement le soutien du Congolais? Est-ce que les Congolais peuvent soutenir un tel pouvoir? Tu peux mettre ton fils dans ton cabinet, ça ne concerne pas. Mais pourquoi lui donner un poste tactique? Non! On n'a jamais vu de telles choses sous Joseph Kabila, sous le roi des Guerres Kabila, sous le Marcel Mobutu. Mais pourquoi seulement sous Félix Tshisekedi? Aujourd'hui, la République est devenue la République des fistons. Ce qui est accueilli, moi, je suis foyer. Neve Nanga, Jean de Nanga. Peter Gazali, na Sénat, moi, je suis. Tu comprends? Là où on nous amène. Pour dire qu'un pouvoir mal acquis, ça donne ça. Ce sont les germes d'un pouvoir mal acquis. C'est ça. C'est ça, un mois de Congo, plus que tout. Bandeko Balandi, plus qu'à la télévision. Tout comme une souka émission à Bissau, mais. Avant de finir, mon avocat, le père Koubangi, là, un dernier mot, un dernier message, peut-être un rendez-vous, na batinyo swazi de Bakwa Rolanda ou Mkola Lilo. Merci, un dernier mot. Je demande juste à la diaspora congolaise d'être debout, de nous accompagner, de nous soutenir pour se débarrasser de ses pouvoirs. Félix Tshisekedi, c'est notre frère. Nous l'aimons. Mais c'est malheureusement que sa gestion ne reflète nullement la lutte, les combats et la vision de papa Étienne Tshisekedi de Mulumba. À cet effet, nous devons. Je sais que non, lorsque tu fais une opposition, à celle qui tournait dans la fédération, il y a IDPS, il y a qui était. Alors, le combat, il y a bien que non, à celle qui était Moutou, il y a inspiré confiance. Mais malheureusement, par un pouvoir de fait, à commun des combats qui sont là. Mais nous, Congolais, nous avons tout intérêt maintenant de nous ranger derrière nous, de l'opposition, pour que tout se débarrasse d'un pouvoir Oyo. Et déjà, je vous annonce que dans les tout prochains jours, les jeunes révolutionnaires congolais vont constituer un groupe, un bloc, Oyo et Obana Baction sur terrain, pour que tout se débarrasse d'un pouvoir Oyo. Bino ba diaspora, Bosunera Bisso, Naba conseil Nabino, Naba encouragement Nabino. Les meilleurs Congo restent à venir. Je l'ai toujours dit. L'image qu'on a dit, dressons nos fronts longtemps courbés. Les Congo, et aujourd'hui, militons pour que nous puissions léguer un Congo digne, prospère à non, progéniture et surtout à ceux qui vont nous succéder. Mes contacts, plus 243 97 18 320 67. Plus 243 97 18 320 67, c'est mon numéro WhatsApp, c'est pas un numéro privé. Et l'opposant n'a pas de numéro privé, c'est ça mon numéro. Écrivez-moi les suggestions, les conseils. Ça nous sera toujours le bienvenu. Et constat la bisou malam. Facebook, je suis Berger le Père Koubangila. Si vous m'écrivez, vous me trouverez là-bas. Donc, je répète encore, mon numéro de téléphone, c'est plus 243 97 18 320 67. Matondo mingi mwana mboka le père d'avoir répondu à nos questions, mais surtout il y a eu sa biso ba réflexion na yo bandeko balandi ya plus carte télévision ane de tuer ton nom émission mission kola lilo si vous êtes bongo mbala de biso na biso, merci de s'abonner et puis activer cloche à notification pour nous être toujours informés en temps réel mais aussi dans la vérité. Pour moi, j'ai dit déjà merci beaucoup na joie de bonne gauche à faire l'image à jamais sur ma caméra pour ayoumbe DG Joël Koumbe. Au revoir.